Mission Mandoline, c'est le fruit d'une longue collaboration ces 6 dernières années, de fruits de commandes que j'ai faites à des grands compositeurs français et étrangers, comme Lalo Schifrin, Jean-Claude Petit, Ennio Morricone, Vladimir Cosma, Claude Bolling, Nicolas Mazmanian, Christian Gobert. J'ai demandé à ces compositeurs d'écrire, parce que il n'y a que des compositeurs de métier qui peuvent transcender un instrument, c'est-à-dire en fait le dépasser, et c'est le cas des concertos que j'ai commandés. À travers des écritures très diverses, où on entend vraiment le langage et la syntaxe de chaque compositeur, ils se sont emparés de la mandoline et ils l'ont mixée avec des instruments, en l'occurrence un orchestre symphonique. Alors, l'Orchestre de Cannes, c'est un orchestre de chambre qui a été fondé en 1975. Voilà, et j'ai le plaisir d'être le directeur musical de l'orchestre depuis 2016. Et le fait qu'on soit l'Orchestre de Cannes, l'orchestre de la ville du cinéma, je pense qu'on a vraiment la mission de faire connaître toutes ces magnifiques musiques et ces magnifiques compositeurs qui ont écrit pour l'image. Et je suis très content qu'on enregistre ce disque ici. Et donc, il faut que je dirige et que je suive à la fois, c'est la difficulté de ce genre d'œuvre. Ils l'ont franchement très bien fait, avec une bonne volonté et une qualité, parce que contrairement à ce que certains voudraient dire, le niveau des musiciens français est absolument excellent. Donc c'est formidable de faire cet album avec Vincent, qui est là et qui travaille avec moi pour enregistrer ce concerto. Depuis une quinzaine d'années, j'ai créé plus d'une centaine de pièces et j'essaye d'avoir une attitude assez militante pour développer un répertoire moderne. J'ai toujours pensé que le meilleur du répertoire de la mandoline était à venir et du coup, j'aime cette idée qu'on est en train de le créer avec ces immenses compositeurs.